Et yop les petits potes, c'est vrai qu'une nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui une nouvelle vidéo tout simplement pour faire le défi les gars. Le défi de la Ghost Parade. Donc du Phantom Royal là, le défi du tirage les gars. Donc on va faire un défi, on va prendre que les cartes de droite les gars, tout le temps. Que les cartes de droite. Et puis voilà, avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui feront. Et aussi n'hésitez pas à noter mon overlay les gars. Mon overlay c'est qu'est-ce que c'est, tout ce qui est autour de mon écran là. Genre ça, je suis en train de bouger 2-3 trucs. Tout ça, dites-moi si vous aimez bien ou voulez que je le change, etc. Et puis voilà. Sinon, on part sur la première game, les gars. Donc, on prend que les cartes de droite, on a dit. Ok, nickel. Oh non, on n'a pas la cabane de barbare. Oh, c'est quoi le deck qu'on a pris là? La méga, en vrai, je pense que je l'aurais pris. Et c'est tout, quoi. En vrai, je pense que j'aurais pris le reste. Ok, mais ouais, bon, en plus, on a du molos. Oh putain. Oh, sa mère. Du molos. Ok. Ça va pas être joué le molos, hein. On va pas beaucoup le jouer les gars, je vous le préviens. Oula, un Glendexir. On est contre Chabud d'ailleurs. Ok, on va mettre les petites boulettes suicidaires les gars. Ok, je sais pas si vous connaissiez le terme des boulettes suicidaires. Et là les gars, moi je vous le dis, on est dans la merde. Ah non, ça, il y a un fantôme derrière, tranquille. On peut mettre une cage. Pour un petit peu attirer tout ça, ça fait plaisir. On va mettre un petit dart. Bon allez, mes troupes. Ok, nickel. Le gobelin qui fait un gros taf, hein. Le gobelin fait long. Il va mettre le Fisherman ici. Ah si j'avais essayé à tour du roi. Bon, j'ai pas réussi malheureusement. Mais on est de bons dégâts, on va essayer de remettre un Fuyagobs. J'espère que les fantômes... Oh putain, il spawn à gauche, c'est une blague. Ah il défend. Oh tant mieux, s'il défend. Bon, ça nous fait une value de bûche. Là on va juste mettre les petites boulettes suicidaires les gars. Ok, on va mettre une petite cage tranquille, on s'installe. On n'a pas encore. Je pense pas que je joue le molos les gars en vrai. J'attends un petit peu. Ok, je dis ça évidemment, je le joue juste après, donc forcément. Ok, on va mettre le petit à gobelin. Ok, on va mettre de bons dégâts sur la tour. De très bons dégâts sur la tour. On va mettre le pêcheur. On va mettre une petite bout de chasse. Et là c'est la merde. Et là moi je vous le dis, j'aurais pas dû poser ce molos. Je l'aurais pas dû le poser, mais je savais que je devais pas le poser. Et moi comme je suis un gros débile, bah qu'est-ce que je fais? Bah je le pose forcément. Je pense là j'ai une bûche de type nul à chier. Donc là on va remettre une cage. En vrai nous on met de bons dégâts, mais bon là on va mettre un dart. Tranquille. Ok, on va mettre ça. On défend le golem d'élixir. On met une bout de chasse en plus. C'était pas très utile, mais on la met quand même. On peut remettre une cage en tous les cas. On peut remettre un dart. Voilà, nickel. Et là, on spam bien, là. En fait, il a beaucoup trop push, il était trop agressif. Du coup, on a pu écumer nos troupes et on a pu faire un contre-push. Là, on va essayer de bouche. Nickel. C'est bien que mon dart reste en vie. Nickel, parfait. Nickel, nickel, nickel. On peut... Bah, dès que la cage, elle meurt, j'en remets une. C'est reparti pour un tour. Nickel, on a pris une tour. Ça, c'est plutôt bueno. Nickel, son gobelin, son Glendexir qui va se faire défoncer. Ok, nickel. Là, on peut mettre un molosomide. Là, moi, je vous le dis, il est dans la merde. Là, moi, je vous le dis, il a perdu. Il a perdu, faut pas chercher à comprendre. Il a perdu, les gars. Nickel. Là, ok, c'est un peu le bordel. Je comprends pas tout ce qui se passe. Je vais pas vous mentir. Je comprends pas tout, quoi. Hop. Nickel. Donc on a gagné la première game, bon assez facile hein, forcément il avait le gun d'élixir et il le jouait quoi. Quand t'as un gun d'élixir les gars dans le défi tirage ne le jouez pas, ça sert à rien. On a un petit coffre en or les gars, donc qu'est-ce qu'on a dedans? 500 pièces, un gob, 8 rascals, 20 colis et 9 BDF, ça tombe bien puisque les gars, ce que vous avez pas remarqué c'est un petit compte. Et j'ai bientôt la boule de feu 11 les gars, donc voilà, ça je suis... Cette saison je vais tenter les 5-6 les gars, donc dites-moi si c'est possible. Ok, on part sur la deuxième game, donc que les cartes de droite. Hein. Putain, j'avais envie de prendre la tour à bombe là. Oh putain, je laisse l'archer. Oh, je laisse la princesse et l'archer. Oh putain, je laisse le géant. Bon. On va essayer de faire ce qu'on peut. J'espère que j'ai une tornade. Si j'ai pas de tornade, ça peut se compliquer. Je vais pas vous mentir que si j'ai pas de tornade, ça peut être très compliqué de win. Ok. Nickel. On va mettre un fiasco là direct. Oh putain, ouais, lui il en a rien à foutre. Faudrait que je cycle ma tasse. Nickel.
les petits skeux qui vont occuper un petit peu le fantôme. On peut mettre des petites battes, et là on met de bons dégâts, on met d'excellents dégâts même. On est en train d'exploser la tour avec le fuel squelette. Ça c'est plutôt bon, ça c'est très très bon signe. On va mettre un deuxième ghost, parce que je sais qu'il va se faire poutrer mon premier ghost. Donc on en remet un deuxième, toujours plus. Allez, tape, nickel. Ok, on met de bons dégâts, nickel. Le ghost qui va aller taper tout ça. Nickel, on a Molos Food, ah ouais. Il ne manquerait plus qu'un ballon là les gars, on a un mineur, on avait un vrai deck Molos. Ok, on va mettre les tisques. On va mettre un baby, j'ai bien vu le fantôme à droite mais c'est pas grave. Puisqu'on va aller prendre cette torse du côté gauche. Ça c'est plutôt bon. On va mettre un petit Molos tranquillement. On va mettre une Tesla aussi, une petite Tesla avec des bats pour aller défendre ce géant. C'est vrai qu'il joue mal hein, parce que avec son archer il aurait pu vraiment me casser les couilles. On va mettre des petits skeux, hop. Nickel. On peut mettre un troisième ghost. Ouais alors là j'ai rien de combat foudre. Hop, hop. Nickel. Ok, on peut à tour mais c'est pas dramatique en soi. Alors là il a beaucoup de trucs, il a beaucoup de petites troupes accumulées, faudrait qu'on fasse gaffe. En vrai le problème c'est que j'ai rien pour aller chercher, j'ai pas de sort, enfin j'ai genre une food, mais bon tu vas pas chercher des princesses avec une food quoi. Donc bon c'est forcément pas ouf quoi. On va remettre un gosse en tous les cas, hop nickel, le gosse qui va aller gérer tout ça. Le baby les gars, oh nickel le baby. On va mettre ça, nickel, parfait, ça défend, on va mettre une food. Hop hop hop, nickel. Ouais, en fait le problème c'est que les gosses à chaque fois ils grattent. On va essayer de mettre... Ouais on prend méga cher là en fait. Bon cette game elle est tendue de ouf là. Je pense pas pour la gagner en vrai. J'ai rien pour aller chercher sa tour. Ah moins que les ghosts. Ah moins que les ghosts. Malheureusement on perd la tour mais bon. Faut savoir qu'on prenne la tour bah évidemment. Je rajoute une foudre. Bah nickel ça fait une value de foudre au moins. Ah on va aller foutre tout ça. Oh non mais c'est une blague. Oh la blague. Oh, les... oh j'ai tellement... Oh le timing. Oh yo 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 le timing. Ouais je pense que je vais aller loose cette game là. Je pense pas pouvoir la rattraper honnêtement. Attends je vais me faire trop croire. Ok GG. Il a bien joué en vrai. Enfin il a bien joué. Il joue n'importe comment mais ses archers et sa princesse ingérable. La Tesla en plus qui focus qu'une troupe. Trois bombes bien mieux. Bon c'est pas grave. On part sur la troisième game. Donc là ok. Ok, ça me va. Ok, on tombe sur Winner 21 de Hotby. Ok. Ouais, on va juste... Oh, on en a un Arkix, les gars. Ah les gars, au secours on a un Arkix. Oh putain. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû boule def. Bon c'est pas grave, on va prendre beaucoup de dégâts. Alors ça je sais pas ce que j'en... Je pense que ça je vais pas le mettre en latex, ça sert à rien, je vais le mettre qu'en def. Ouais. J'espère qu'il a pas de gros sort, normalement non parce que j'ai une boule de feu, normalement il a 15 zap. Oh les gars le dart. Oh le dart, oh yo 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 yo. Normalement l'Arkix qui va faire qui va se faire plaisir là sur le sapeur, nickel. Oh on prend le coup, jure. Ok. On va essayer de protéger un minimum mon Arkix. On va mettre un golem de glace. Hop, nickel. J'ai boule de son sorcier. Est-ce que j'ai le time? Ouais j'ai le time bah forcément du coup. Allez. Hop. Et. Ouais, parfait. L'Arkix qui fait le taf. Le fantôme à gauche qui a mis des bons dégâts même s'il a mis un fantôme. Ah mais trop con mais vas-y mais quand tu mets des guardos quand tu sais que j'ai ouais. Et qu'est-ce qu'il fait mais oh, yo, yo. Ah merde ah je l'ai pas vu. Ah il y a un ghost. Il est derrière celui-là. Oh bah. Ok bon lui il est nul. Lui les gars je vous le dis c'est free win. Si je perds les gars j'offre un deuxième pass voilà. Merde en plus ma boule de feu. Bonne boule def évidemment. Alors là, c'est que j'en ai tellement plus rien à foutre, c'est que je vais mettre des gobelins géants en mode YOLO comme ça. Le petit dart qui va aller se faire plaisir. On va protéger mon dart. Ok, on va boule d'œuf. Nickel, les fantômes qui sont plaisent sur la tour aussi. Hein. On va Arkix offensif. Je
Le temps que je peux encore. Bon, ça, en même temps, ça y affronte des dégâts. Mais bon, c'est pas dramatique. Mettre la Valkyrie vite. Voilà, nickel. Il met des sapeurs un peu inutiles. Et là, il connecte toujours pas. Donc, on va aller encore protéger cet Arc-X. Et voilà, on va aller prendre cette première. Enfin, cette deuxième tour. Pas cette première tour. Oui, c'est cette deuxième tour. Et, ok, on va mettre ça tranquille. Hop, on va mettre le petit Dart. Il va se faire plaisir avec l'Arc-X qui se fait plaisir. Et là, il a un rage kit, les gars. On va aller partir sur cette deuxième game contre Winner 21 de Hot B. Ok, nickel. Petit jeton épique, ça fait toujours plaisir. On va aller s'ouvrir ce petit palier, les gars, puisque sur le petit compte, je n'ai pas terminé passe de combat encore. Nickel. Ok, bon, on a rien d'intéressant. Je joue 2.6 sur ce compte. Ah oui, d'ailleurs, les gars, j'ai créé un clan pour chill, pour ceux qui veulent venir, les gars. Donc, c'est vrai coup. Voilà, je le bouge là. C'est le nom de ma chaîne, les gars. Vous le tapez et vous rejoignez le clan. Et normalement, vous serez avec moi. Ouais, simplement. Nickel. Ok, donc on prend que les cartes de droite. Nickel. Voilà, on va attendre un petit peu le temps que monsieur 777 Riddick 777 777 choisisse. Ok, nickel. On est sur la première gap directement. J'ai envie de le kite avec ça. C'est stupide hein, de faire ça, mais j'ai envie de le kite. Hop, allez. Pour. Ça, dès qu'il va reculer, ça va peut-être faire un stylé. On va re-kite le fantôme. Nickel. Les gobelins qui va s'occuper du taf en même temps. Nickel. C'est bon. On a un cimetière, on a un poison. On a un cimetière poison. Comment ça? Nickel. Parfait. On va mettre une 4. On a autant. On a un roquet de poison là. Oh yo yo. Ok, on dirait que c'est bon, on a mis une bonne roquette. J'aurais pu toucher les deux fantômes derrière. Mais comme je suis un mitro, les gars, vous me connaissez, bah je l'ai raté évidemment. On va les kite ces trois petits fantômes. Il fait quoi l'arty là? Ok. Non, 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 non. Ok. Oh mec. Hop. Okay, on va mettre un petit gobelin géant. Quel ouais. Ouais, ouais, ouais. On va roquette. Je crois que j'ai raté ma roquette en plus là. Parce que je suis un bon mitroglou, vous voyez. Ouais, j'ai bien raté ma roquette, c'est pas ce que je me disais. On va mettre. On va pas kite, on va la laisser mourir. Ouais. What, il a 6 des fantômes là? Attends, on va poison. Là, ils se sont demandé ce que je fais avec mes 48 sorts. J'ai un cimetière, j'ai pas encore joué. Ouais, alors là, je crois que j'ai mis les pires. Mais les pires rascals que j'ai mis. Ah, quoique. Quoique. Pas dégueulasse, pas dégueulasse. On va essayer de faire un truc pas mal comme ça. What? Ok, pourquoi pas. Ok, on perd une tour, c'est pas grave, les gars, et on part sur le 3 couronne puisqu'il a rage kit. Il a pas rage kit. C'est pas grave, on part quand même sur le 3 coucou. Oh, on va pas pouvoir prendre, on aura pas de time, mais c'est pas grave, on va aller prendre cette win contre 777 Riddick 777. Ok, bon. Ça fait plaisir. Ok, nickel. Les gars, il nous reste une victoire. Il nous reste une victoire à faire. Ok, bah c'est reparti. Hop. Ouais. Oh, intéressant.
Il a un molosse, les gars, on a quoi pour défendre? Des gobelins à lance et des archers. Bon, on va aller loin là. Il a des flèches éperdues, j'annonce. Bon. On va direct agresser. Je crois que c'est pas du bon côté. En vrai, ok, on a pris un coup. C'est tout bon. On va mettre des gobelins à lance. On va mettre un petit esprit de soin. Hop, nickel, qui saute et qui va aller réanimer un petit peu notre fantôme. On va mettre un deuxième. Est-ce que c'est bon? Ouais. Golem de glace. Archer. Oh merde. Ok, on prend des bons dégâts sur les deux côtés, les gars, avec des fantômes. Ah. Ouais, alors. Ok, on va mettre un zap. Je sais pas comment def, les gars. Je vous avoue que je n'ai aucune idée comment def. On va essayer le kite. Alors. On va essayer, on va essayer. Je crois que je l'ai mis un petit peu trop tôt. Non, c'est parfait, c'est parfait. On va mettre les petits archers. Les petits gobelins, non, je veux dire. Les spires. On va mettre un zap. Ah, il est pas mort, évidemment. La classique. Ok, mets des flèches. On va mettre des archers. Tranquille. On va mettre un petit esprit de soin pour sauver mes archers. On va mettre un golem de glace. On va mettre un chacha. Des gobelins à lance. Et là, normalement, le cochon ne devrait pas passer. Ouais, nickel, nickel. On va remettre des ghosts, on va remettre des archers, on va mettre ça. On va mettre ça aussi. Ah, ouais, alors ça c'était pas prévu. Ok, notre ghost qui se fait réanimer, ça c'est plutôt bon. On va mettre ça plus ça. Hop, nickel. On va mettre un petit zap en plus. Et on va prendre cette première tour, ça fait plutôt plaisir. Ok, donc là on va remettre des archers dans tous les cas. On va mettre un chacha. Le chacha qui devrait aller one-shot le cochon, nickel, parfait. On va remettre un ghost, on peut mettre ça. On va mettre le golem de glace. Hop. Nickel. On sait à tour qu'on a pris beaucoup de dégâts, donc c'est plutôt bon. On va remettre un zap. On va mettre un chasseur. Je crois que j'ai fait le pire truc, j'aurais pas dû mettre des chasseurs. On va essayer de remettre des spires. Nickel. On va aller mettre ça. On va remettre des archers. Normalement, il devrait pas passer le cochon là. Ok, oui, évidemment, il met un coup. Forcément. Dès qu'il passe pas, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il passe. Logique. Ok, donc là le but ça va être de full def en fait. Faut pas que je prenne de dégâts, faut que j'essaie en tout cas. Ok, nickel. Le cochon faut pas qu'il passe. Le cochon faut pas qu'il passe. Le cochon faut pas qu'il passe. Et évidemment il est passé, logique. Ok, donc là on va essayer de mettre ça en mode bas les couilles l'Himalaya. Mais non, mais le fantôme, mais il a tête cuit le fantôme, mais... Ah. Ok, il a raté son... Parfait. MK. En fait, le problème, c'est qu'il a MK cochon et j'ai rien pour aller gérer son coco. Directement, genre. On va mettre un... Merde, c'est pas ça que je vais faire. Bon, c'est pas grave. Oh, bah, c'est bon. Il est mort, nickel. On va mettre un chasseur fond de map, tranquille. On va s'installer, là. Là, on va faire un gros push. Oui, même avec mes cartes, on va faire un gros push. Je panique. Non. Ok. On va essayer de mettre ça, nickel, on réanime tous nos fantômes. Enfin, on régénère quoi. Bah, je pense que je vais lose cette game. Hein. En fait, le problème c'est que je peux pas passer. Et lui, bah si, il a un cochon. Oh, une condition, c'est cette merde là. Sauf qu'il a des flèches, évidemment. Tu vois, parce que quand je. Évidemment, ils ont toujours un scooter, tu vois. Bah, je pense que là, c'est clairement une lose. Ouais, on va abandonner cette victoire. Nickel. C'est pas grave, on va aller prendre cette. On va aller chercher cette dernière game. On prend toujours tout à droite, hein. Toujours. Ok, on a un golem. Oh, intéressant. Golem mini PK. Oh putain. Où sa mère? Il a des recrues. On a un deck qui coûte environ 15 d'Elex, à peu près. Ok, bon. Hop, nickel. Parfait. Ok, on va aller kite tout ça. Hop. Nickel. Nickel. Le mini PK qui gère ce fantôme, qui va peut-être aller mettre un deuxième coup. Parfait. Et là, il met des recrues. Bon, en vrai, ça va. On a pas mal de dégâts de zone. Enfin, c'est pas un dégât de zone, mais c'est un... Enfin, ouais.
Bon bref, vous m'avez compris, il tire de loin, c'est stylé. Hop, nickel. Les boulettes suicidaires qui font le taf. Le Kirikou qui se fait péter le cul. Ok, là je pense que le but c'est d'attendre l'ex là maintenant, parce que ça commence l'ex 2, ça commence dans 11 secondes, dans 10 secondes. Là on va mettre un colis plus un électro et là on pose golem dès qu'on peut. Mettons cette glace pour aller défendre ça. Nickel, hop. On peut déjà GR en tous les cas. Avec un petit mini PK et des boulettes suicidaires puisqu'il a une horde de gargouilles. Ça, c'était pas réellement prévu, je vais pas vous mentir. On va mourir sa horde, mais bon, c'est relou, hein, c'est relou. Ok, on a quasiment pris la tour d'un côté, ça c'est plutôt bueno. On va mettre un coco, on va essayer de mettre un dart pour kite tout ça, enfin kite pour tempo un peu quoi. Nickel, le dart qui reste en vie, ça c'est plutôt bueno. Nickel, ça c'est de glace qui ralentit un petit peu tout. On va protéger évidemment notre petit dart. Ok, c'est malheureusement l'archer qui va aller s'en occuper. Ouais, ici on va juste colis, les boulettes suicidaires qui vont faire le taf évidemment. Et là s'il défend pas, ça peut faire mal. Ok, on va essayer de def notre tour, il a pas l'air d'avoir de sort. On en a pas non plus, on a juste le colis. Je sais pas ce qu'ils auraient pu mettre à la place du colis. On va GR, on va voir ce qu'il... Ah, il a un poison. Ouais, je suis con, depuis tout à l'heure il le joue en plus, comme un gros débile. Là il met une horde, je suis très bien s'il met une horde. J'ai juste un colis, ça va tout def. Ok, le GR qui met d'excellents dégâts. Ouais, mais wesh, le GR il a. Wesh, il a défoncé la tour. Ouais. Ok, là on va essayer de mettre un électro pour aller protéger cette tour. On va devoir mettre un mini PK, ça n'a pas été suffisant sinon. Ok, là parfait. En fait, là je pense que je vais. Tout ce que je vais attendre c'est qu'il mette sa horde pour mettre le colis. Hop, 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 venez là vous. Nickel. Le GR faudrait qu'il mette un coup. Parfait. Excellent. Et là, je dois protéger la tour pendant encore 15 secondes. Et faudrait que je recycle un GR aussi. Ce serait plutôt bueno ça de ma part. Et là les gars, on va aller prendre cette dernière victoire contre Dragoni L11GX. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On termine le défi au bout de 22 minutes. On avait déjà 3 victoires. Ok, bon, ça va, je pense qu'on aurait pu faire la défaite qu'on a faite, les deux défaites qu'on a faites, on aurait pu les éviter, mais bon. On va s'ouvrir ce petit coffre, les gars, qu'est-ce que je veux? Je veux de l'esprit de glace, au lieu du squelette, ça me va. Alors là, il me faudrait quoi? La boule d'œuf, ça serait bueno de la boule d'œuf. Non, ok. Rien d'intéressant, les gars, bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez pu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, et ciao.